Bienvenue dans mon atelier, je suis Jean-Pierre Poisson, je peins et je fais du piano depuis l'âge de 7 ans. Ma peinture est purement émotionnelle, il n'y a rien à y comprendre. Quand j'entre dans mon atelier, je mets une musique qui correspond à mon émotion du moment, ça peut être du classique, du jazz, du blues, du rock, et cela me met dans une bulle créatrice. Comme je suis pianiste de jazz, j'improvise sur la toile, comme au piano, dans l'émotion du moment, dans cette émotion que me procure la musique que j'écoute. J'ai travaillé de longues années avec un peintre chinois qui m'a appris la calligraphie et la peinture chinoise. Il m'a fait travailler l'encre de Chine noire en camailleux, du noir le plus profond à la transparence totale. Et pour lui, un tableau était réussi s'il donnait l'impression d'être éclairé par derrière. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes toiles. C'est ici que je peins tous mes tableaux, à plat, avec des pinceaux chinois, en poils de chèvre et en crin de cheval. Donc je travaille avec des glacis, qui est une superposition d'une même couleur transparente. Et en l'espèce, pour ce tableau que je viens de terminer, il n'a qu'un seul bleu, c'est un camailleux en bleu. En peignant, je suis dans un état de plénitude complet. Je suis donc dans une bulle créatrice. Ma musique est très 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 forte et je ne suis plus de ce monde. Dans mes tableaux, on m'a fait remarquer, il y a de nombreuses années, qu'il y avait une ligne horizontale. Je l'ai découvert et je me suis posé la question, pourquoi? Et effectivement, tous les pianistes de jazz sauront qu'à un moment donné, nous faisons des montées chromatiques et des descentes chromatiques sous le clavier. Et bien là, à un moment donné, dans ma bulle créatrice, je prends mon pinceau en poil de chèvre et je traverse la toile. Et ça rassure les gens parce que effectivement, il y a une sorte d'horizon, il y a un haut et un bas. C'est pour ça que lorsqu'on me demande quel style de peinture faites-vous, je ne dis pas de l'abstrait, mais je dis du paysagisme abstrait.